Bonsoir, moi je m'appelle Julie et je travaille à l'Astrolabe. Ce matin, on va visiter les différentes œuvres que les artistes ont choisies et ensuite, on va revenir ici pour faire un tirage au sort et constituer votre équipe qui sera celle pendant les 3 jours de travail. Ok ? Hard to play a dead dream and where we are. Hard to play a dead dream and where we are. Hard to play a dead dream and where we are. Le workshop au musée se déroule sur 3 jours au musée des Beaux-Arts. Il consiste à créer des morceaux avec 8 artistes de musique actuelle sur des œuvres allant du 15e siècle à nos jours. La robe. La colonne, c'est une bonne. Du coup, maintenant, je la vois comme un peu une déesse qui essaye de lutter contre justement le sexisme. Contre les forces du mal. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'elle a un bouclier. Et... La guerrière, ce serait une guerrière dans les idées contre le contre voilà. Le sexisme. Voilà, c'est ça. Une femme guerrière. On a fait une espèce de brainstorming où on notait tout ce que les enfants pensaient par rapport au tableau. Et de là, s'en est découlé un thème. Bon, on leur a posé plein de questions. On leur a demandé est-ce que vous voulez chanter tout seul, à deux, en groupe, etc. Joyeux, triste. Oui, voilà. On leur a demandé est-ce que ce tableau vous inspire de la joie ou de la tristesse. Enfin, la force du truc pour moi, c'est le lieu. Mm. Et puis surtout, de composer sur une œuvre, c'est hyper. Ouais, ça les met tout de suite dans un cadre et. Ça inspire vraiment parce que, enfin, je veux dire, c'est des personnes derrière tous ces tableaux qui ont peint et t'as envie de créer quelque chose, t'as envie de te mettre à écrire plein de choses et de s'inspirer d'un tableau pour écrire une chanson, je trouve que c'est trop bien. Puissance ! Ah ! Oui, c'est ça qu'on veut ! Bravo Noah ! Donc ça, c'est ce que vous faisiez au début. Ici, c'est ma place. Tu m'entends ou pas ? Et moi, c'est ce que je veux que vous fassiez. Ici, c'est ma place. Ici, c'est ma place. Ici, c'est ma place. Très bien. Youpi. 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 La restitution a lieu dans l'auditorium du musée. Ça nous permet cette année, justement, de retravailler l'aspect scénographique avec une comédienne. De les mettre en confiance par rapport aux morceaux qu'ils ont travaillés, écrits, composés avec les musiciens et musiciennes. Ça, c'est une expérience humaine super forte. Le fait de travailler avec des artistes professionnels qui ont des ambiances musicales différentes, ça amène aussi une richesse importante au sein du projet et ça amène aussi des nouvelles rencontres. Je parle encore super OP sur le deuxième couplet. Ouais. Oh non. Vous êtes d'accord ou pas ? La tête dans les étoiles, on rêve de quitter l'atmosphère, faire un voyage interstellaire pour découvrir l'univers. On a la tête dans les étoiles, on rêve de quitter l'atmosphère, faire un voyage interstellaire pour découvrir l'univers. Je marche. Je cours, je fuis, je sors. Tu vois, c'est plutôt entre les mots et à la fin, c'est une compliquée. Troisième fois. Enfin, on arrive. La gendarmerie nous attend pour nous renvoyer au Maroc, tu vois. Il y a un peu de
on stresse, mais ouf là. C'est vrai qu'avant de démarrer le travail, à la fois c'était extrêmement excitant de se dire qu'on allait pouvoir travailler sur cette thématique-là parce qu'elle nous tenait à cœur tous les deux, et en même temps c'était aussi un petit peu inquiétant parce qu'effectivement on était en droit de se poser la question de savoir si les enfants seraient sensibles. D'autres amis veulent faire pareil que moi. Ils sont tristes tout autant que moi de quitter notre ville, de quitter notre école, de quitter nos... Et c'est des questions en fait qui les traversent également. Donc c'est là qu'on voit que l'art est quand même quelque chose d'essentiel parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des questions inhérentes à la société qui questionnent aussi bien des enfants de 10 ans que des adultes. Aujourd'hui, j'ai vu des vagues. Elles me font peur, mais je te le dirai pas parce que je veux pas que tu pleures. J'ai choisi cette œuvre sûrement aussi par rapport à mon histoire propre, à l'histoire de ma famille. Moi, je suis franco-algérienne et eux, s'ils s'appelaient Imad, eux, s'ils étaient derrière, sous cette couverture, quels seraient leurs sentiments s'ils avaient ce projet-là de partir, de fuir. Une cascade coule, pareil à un oiseau, une musique venue de l'eau. How to play a dead dream and where Khoya. How to play a dead dream and where Khoya. How to play a dead tree and where Khoya.